phénomène dans les années 2000, même cité à l'époque par le Premier ministre Jean-Pierre Raffarin, on est obligé de se remettre ça. Je terminerai par une réflexion sur la manière dont vous pouvez prendre la vie. Il y a une jeune chanteuse qui n'est pas tout à fait de ma génération, mais qui parle aujourd'hui de positive attitude. Je vous recommande la positive attitude. Comment tu l'avais pris à l'époque ? Écoute, j'étais très surprise. Et en même temps, je vais t'expliquer comment ça s'est passé. C'est qu'une semaine avant, j'avais été appelée pour venir chanter pour le Noël de Matignon. Et à la fin du spectacle, il est venu en coulisses et il nous a salués. Et il a dit un petit mot sur la prestation de chacun. Et moi, il me dit, mais la positive attitude, mais quelle chanson super, mais géniale et tout, et les paroles, vraiment. Et une semaine après, je vois ça.